Bonjour, je suis Benoît, je suis directeur de la générosité publique en charge de mettre en place toutes les opérations de collecte de fonds auprès des particuliers, du courrier, du digital, des opérations de face à face, les legs, la philanthropie à travers des opérations de collecte de fonds. Je suis d'un âge où le service militaire existait encore. J'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un service ville, ce qui m'a permis de passer un an dans une association. Pour les petits frères des pauvres, j'ai fait de la com pendant un an. Puis après, j'ai poursuivi dans cette association sur un poste plus de travailleur social pendant 6 mois. Et puis ensuite, je suis arrivé chez AIDE, donc association de lutte contre le sida, où j'ai découvert le métier de la collecte de fonds, que je connaissais pas du tout, que j'ai appris sur le tas. J'ai travaillé pendant longtemps aussi pour Médecins du Monde, presque 9 ans à AIDE, la même chose chez Médecins du Monde, et puis là ça fait 6 ans que je suis du coup au WWF. À partir du moment où on a un sujet pour lequel on est vraiment motivé, quel que soit le métier qu'on a pu apprendre, je pense qu'il n'y a pas une voie toute tracée. Je pense qu'il y a plusieurs voies qui permettent d'arriver à ça. Et c'est pas parce qu'on est parti sur des métiers qui semblent un peu éloignés. Il peut y avoir des moyens de s'y raccrocher. En tout cas, c'est vrai pour le secteur associatif, il me semble, au sens large, parce que, comme dans n'importe quelle structure, on va avoir besoin de personnes qui font des ressources humaines, qui font de la compta. Si tu souhaites rejoindre le WWF, rendez-vous sur Welcome to the Jungle où ils postent toutes leurs offres de stage et d'emploi. Et enfin, si tu veux découvrir d'autres parcours inspirants, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Insta et TikTok.